Non, vous ne rêvez pas. Cette vidéo fait bien plus de 15 minutes. Bonjour tout le monde, c'est Capum Adrien et on se retrouve pour la partie 11 de Pokémon version Emerald. Voilà, on se retrouve au centre du village Myokara et donc je suis content. Je suis content parce que YouTube m'a accordé l'honneur de faire des vidéos de plus de 15 minutes. Je lui en remercie, après seulement 12 vidéos, donc je suis assez content, ça n'a pas trop pris trop de temps. Vu que c'est ma 13e vidéo, je m'attendais à ce qu'il y ait des catastrophes dedans, que ça me porte malheur, mais en fait pas du tout, puisque ça commence bien. Enfin bon, on n'est pas là pour ça, donc mon équipe. Donc j'ai fait mon petit level up. Niron est niveau 16, bon lui va se faire l'arène tout seul, comme je l'avais dit. Flobio niveau 18, Balignon niveau 19, voilà. Et Lingal, bon... Mais on s'en fout. On s'en fout, il est juste là pour décorer. Voilà. Alors, on est ici pour l'arène. Et ben, donc on va le faire. Par contre, j'aimerais... Putain, il y a encore du lag. Oh non, 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 mais merde là. Hein. Je veux juste vérifier si lui, avec son devient-train, il est toujours au même niveau. Et t'as déjà entendu parler de aucun maison. Aucun maison. Déjà, c'est aucune. Et okay, avec aucune maison, je suis désolée, mais tu vas pas aller bien loin. Bon, ok. Entre aucun maison et devient de train, il n'y a pas beaucoup de QI de différence. Hein, donc, si tu veux, oui, c'est branché. Même si ça l'est pas du tout. Et avec ce dialogue merveilleux, nous allons pouvoir attaquer l'arène. Bon, voilà, y a rien. Lui, je l'avais déjà interrogé. Donc, on est parti. Et voilà. Un dresseur déjà. Comment tu me provoquer? Bon, tu ne viendras pas pleurer. Oh, elle est forte. Elle est vite. Elle est très forte. Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Allez, cruel. Oh, mais merde! Ouais. Déjà, ouais, j'ai perdu. Okay. Rentre dans ton berceau, sale bébé. Donc vous voyez, le rond c'est agrandi pour nous laisser un peu plus de lumière. C'est ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo. Hein. Plus en bas de dresseur, plus il y a de lumière. Alors c'est parfait. Ah merde, merde, ça va être un combat duo, ça. Fais attention, tu vas tomber. Oh merde, un combat duo. Tu vas voir, on ne fait pas un vieux loup de mer comme moi. Oh, merde. Et il me fait un bras d'honneur, là, j'arrive pas. Il me fait un bras d'honneur. Mais va te faire, toi. Retombe sur ton bateau au lieu de me faire des bras d'honneur, là. Lui, il se prend pour qui, celui-là? Ah, donc, Flobio, je crois que vous l'avez jamais vu de dos. Moi, oui. Vu que j'ai fait le petit level up, par contre, on va tester sa magnifique attaque tir debout. Bon, bien sûr, fallait que lui m'empêche de voir l'attaque. Oh là là. On va éliminer le Machoke, ça sera déjà ça de fait. Putain, il n'est pas mort. Oh, chier. Fais chier. Oh là là, mais il y a trop de lag là. C'est pas possible. C'est toujours pareil. Bon, allez, là, le tir debout, il va marcher quand même. Merde à la fin. Allez. Waouh. Ça a pas la classe, ça. Eh bien, pas mort. Donc, ça baisse la vitesse une fois sur deux ou une fois sur trois, je sais pas. Ah, j'aime pas cette attaque. Bon, allez, là, ça va en finir vite fait. Eh ben non. Non, on n'en finit pas vite fait. Remarque. Est-ce que ça le protège des deux attaques? Ah bah oui. Bon bah mince. Mince. Bon allez là. Merde à la fin. Tu vas mourir là. Tu vas mourir. À force de faire des détections. T'en as pas marre? Niveau 17 c'est parfait. Niveau 20 ouais.
toi, je n'ai pas envie de te connaître. Comme tu veux, je t'assure, ce n'est pas mon genre de perdre comme ça. C'est ton genre de faire des bras d'honneur. Ah, là, deux combats, ça a fait beaucoup agrandir le rond. Ah, je préfère être dans la lumière que dans le noir. Franchement, il y a quoi par là? Un dresseur. La puissance est ma raison d'être. Allez, bats-toi. Pas mal le sprite. Pas mal. Je vais rien dire, sinon je vais dire une connerie. Cette puissance encore, mais c'est quoi ça? Ça sert à quoi de faire ça alors qu'il n'y a rien? Ça sert à rien. Maintenant, on va monter en haut. Encore un dresseur, c'est parfait. Ça fait de l'XP. Si tu veux aller plus loin, tu devras d'abord me passer sur le corps. Mais il n'y a rien derrière toi. Je m'en fous de te passer sur le corps. Il y a un mur derrière toi. Encore le Magga. Un Makuhita. Ah bah elle est cruelle hein. Désolé, j'ai rien à vous dire d'autre. Hein. Je fais beaucoup de commentaires in-game, on va dire ça comme ça. Beaucoup de commentaires in-game, donc je vais pas vous raconter ma vie dans mes vidéos quand même. Hein. Enfin, si vous voulez, hein. Si vous voulez que je vous raconte ma vie, dites-le dans les commentaires, mais je pense pas que ça va vous intéresser. Hein. À part garnir la vidéo, inutile de déranger Bastien, je vais te croiser moi-même. Ben voilà, si je vous raconte my life, après, vous allez vouloir revenir sur vos pas et vouloir dire non au lieu de oui. Donc, je préfère vous éviter ça. Voilà. Voilà. Mais my life est très intéressante, hein, je vous le dis. Ma vie est très intéressante parce qu'il se passe quasiment rien. Voilà. Ah, j'ai encore dit de la merde, je suis content. Niveau 18, c'est parfait. Combattante Christine, mais comment as-tu pu gagner si facilement? Parce qu'il n'y avait rien à faire avec toi. Et le champion Bastien, alors regardez. Moi, je trouve qu'il a une tête de vieillard. Surtout avec les cheveux. Normalement, ses cheveux sont bleus. Moi, je trouve plutôt que ses cheveux sont grisâtres et que ça fait un vieux pépé. Mais enfin, bon, c'est mon avis à moi. Je peux aller par là. Qu'est-ce qui est par là? Mais non, ça rejoint pareil. Alors, je vais aller soigner mes Pokémon d'abord. Voilà, je vais aller soigner mes Pokémon. Et puis voilà. Voilà, donc... regardons un peu. Nirondelle niveau 18. Normalement, il devrait bien se débrouiller. Hein, il n'y a pas de raison. Normalement, ça devrait aller. Par contre, ouais, je vais faire juste une petite coupure avant. Voilà. Une petite coupure parce que j'ai peur qu'avec plus de 15 minutes, Cam Studio, parce que oui, c'est bien Cam Studio que j'utilise, j'ai peur qu'il bug, qu'il y ait des petits problèmes. Alors, je vais arrêter là. Une petite coupure et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà. Maintenant, on peut attaquer la reine comme il faut. Donc, ouais, bah, heureusement que le cercle de lumière reste là comme il faut. Parce que sinon, ça serait juste galère. Voilà. Donc, nous sommes devant le champion. Voilà, avec le badge, juste là. Le badge point, il me semble. Voilà. Alors, on a l'air marrant comme ça. Enfin bon, on s'en fout. On va lui parler. Je suis Bastien, le champion d'arène de Myokara. J'ai résisté aux vagues déchaînées de la région et je me suis endurci dans les cavernes obscures. Alors comme ça, tu viens me défier. Voyons donc de quoi tu es capable. Donc voilà, comme je vous avais dit, il a les cheveux bleus et d'extérieur, on dirait un vieillard. Alors... Matchup niveau 16.
Bah cruel, hein. Que du cruel. Absolument que du cruel. Oh là là, il est pas mort, il est résistant celui-là. Gonflette. Ça augmente l'attaque et la défense. Bon, c'est pas bon ça. Ah oh, ouais, j'utilise ces super potions tout de suite. J'aimerais bien que le lac dégage. Allez, voilà. Un de moins, un sur trois, il me semble. J'ai pas vu exactement, mais je crois qu'il y en a trois. 301. Ouais, ça va, ça donne de l'expérience. Méditica. Méditica, oui, il en est bien trois. Cruel. Oulala. Oulala. Ah oui, c'est vrai. C'est Mitra Point, ça, il me semble. Ouais, c'est Mitra Point. C'est ça, en fait. Je me disais. Je me souvenais, je crois, d'une attaque super puissante qu'avait son Acuita finale. Je crois que c'est. Ouais, ça doit être Mitra Point. Hein. Si Melitica là. Putain, ça doit faire mal, ça. Faut éviter de se le prendre avec Nirondelle, là. Si on se prend un Mitra Point dans la gueule, ça doit pas faire du bien. Hein. Franchement, reflet. Reflet, c'est de la merde. Non. Oui, reflet, c'est de la merde. Voilà, je le dis. Makuhita. Voilà, Makuhita. Donc, non. Et on va éviter de se prendre un Mitra Point dans la gueule. Parce que, n'empêche, ça doit faire mal. Au niveau 19, dis donc. Elle est cruelle. Allez, boum. Coup critique, coup critique. Ah oh purée. Oh non. Oh, s'il me fait une gonflette enchaînée de Mitra Point, là. Oh, ça va être la fête. Ça va être ma fête. Ouais, il utilise une baie. B citrus en plus, voilà, 30 PV d'un coup. Allez, oh, c'est bon là normalement. Oh ça va, il est très bon en attaque mais il a peu de défense, heureusement. Ouais, voilà. Fou, bon sang, tu as fait plus de vagues que je ne l'aurais imaginé. Tu m'as submergé. Et pourtant j'ai pas encore surf. Je l'admets, tu m'as vaincu, prends ce badge. Adrien remporte 1900 Poké-Dollars. Ah là, lumière totale. Lumière totale sur l'arène. Et là. Le badge point est en ma possession désormais. Il oblige tous les Pokémon jusqu'au niveau 30, même ceux échangés, à obéir sans poser de questions. Et tu pourras aussi utiliser la SCS Flash en dehors des combats. Si tu veux, tu peux aussi utiliser cette capsule technique. 7 et 8, qu'est-ce que c'est? Contient gonflette, c'est de la merde. C'est une technique qui permet de booster l'attaque et la défense. C'est ce que j'ai bien pu voir. Ah, d'accord. Ok, ben, je t'appellerai que si j'en ai envie. Hein. Et je pense que ça arrivera pas trop. Alors. Voilà. Donc on s'est fait l'arène. Alors voyons à quoi ressemble son badge. Mais je l'ai vu dans l'arène, il était en couleur. Ouais, il était en couleur. Là c'est en noir et blanc, c'est nul. C'est nul quand même qu'ils aient pas mis la couleur des badges. Ça demandait tellement d'efforts que ça de mettre un peu de couleur dans ces badges blanc, noir et blanc là. Ouais, enfin bon. Ils sont bizarres chez Game Freak. Hein. Si mettre un peu de couleur, c'est trop demandé. Voilà. Donc l'état de mon équipe c'est que Nirondelle est niveau 19 et qu'il n'y a que Flobio qui est à un niveau de retard. Juste voir délivrer la lettre. Donc peut-être que. Oh Adrien, tu as vu Pierre, une récompense t'attend. Alors ah, quand tu seras de passage à Méroville, viens à mon bureau. À bientôt. Et bon les autres on s'en fout un peu. Si, peut-être. Pierre. Qu'est-ce qu'il me dit? Bonjour Adrien, as-tu déjà visité Lavandia? Tu devrais aller te procurer un vélo course cycle Rodolphe. Ensuite, je te conseille d'aller explorer la grotte Granit. Tu pourrais bien y faire une découverte. Mouais. 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 Bon. Bah oui, bah, je vais aller chercher ma récompense alors. Mais non, qu'est-ce que je fous? Je fais de la merde. Ouais, Clémentiville. Allez. On revient à la maison, mes petits gars.
apprécions le voyage. Et cette fois, à la place du coup de fil qui m'a emmerdé la dernière fois, c'est du lag qui est venu m'emmerder à croire qu'on peut pas voyager tranquille sur cette mer. Bon, alors, on va essayer de se grouiller un peu, un tout petit peu. Allez. On va marcher, espérons qu'il n'y ait pas de Pokémon qui me saute dessus. Oh, cette musique, elle est flippante quand même. Moi, je trouve qu'elle fait peur. Oh là là, qu'est-ce que c'est lent! Ah oui, c'est vrai, il faut que je mette Flobio. Prendre, pour qu'il prenne les devants. Voilà. Je vais changer tout de suite. Flobio, voilà. Ah, c'est bon. Allez. Voilà, on fait le même chemin que la dernière fois. Est-ce que. Oh putain! Oh là là! Non, 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 mais putain, voilà, c'est n'importe quoi. L'accélérateur plus courir, c'est n'importe quoi. Ça fait. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? C'est qui? Roxane, c'est bien Adrien, ici Roxane de Méroville. J'ai appris de Bastien que tu progresses très rapidement en tant que dresseur. Bon, je ferais mieux d'oublier que tu m'as battu, mais je te promets d'améliorer mon arène pour que tu puisses nous affronter de nouveau. J'espère te revoir très bientôt. Clique. Ah bah d'accord. Mais figurez-vous que je comptais aussi la. Je comptais la prendre aussi dans mes contacts puisque j'avais pu enregistrer Bastien. Et elle m'a devancé. Donc elle est très forte. Voilà, alors, le directeur est là. Toi t'es toujours là. Bon, il est toujours debout sur son canapé. Tu as livré ma lettre, merci beaucoup. Beaucoup. Pardon, c'est une expression couramment utilisée chez moi. C'est ma façon de te remercier, ça devrait t'aider en tant que dresseur. Multi-expérience, s'il vous plaît. Un Pokémon qui porte multi-expérience se verra attribuer certains des points d'expérience obtenus au combat. Il obtiendra des points d'expérience même s'il n'a pas vraiment combattu. Je trouve le multi-expérience très utile pour les faire progresser des combats faibles, les Pokémon faibles. Moi aussi. Nous sommes sur la même longueur d'onde, c'est parfait. Maintenant, on va sortir d'ici, hein. Rapidement. Oh putain. Ouh, ça va vite. Ouais, en fait, ça va très vite. Trop vite. Ouh. Ah, c'est une véritable fusée. Mon héros est une fusée désormais. Ouah, putain, ça déchire. Oh. Tchou. 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 Ouah. Voilà. Bon, ben, on va revenir là où on était, hein. C'est tout ce qu'on avait à faire ici. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, oui, je veux aller au village Mukar. Voilà. Allez, on va encore faire un voyage. Bon, désolé. Bon, est-ce que cette fois le lag va venir m'emmerder? Bon, il y a toujours du lag. Bon, vous avez compris un peu la musique, donc je vais accélérer. Voilà. Ça, c'est du voyage en bateau très rapide. Oui, nous sommes arrivés à Mukar. Ok, ok, ça marche. Donc, ben, j'ai tout fait dans cette ville. J'ai tout fait dans cette ville, donc maintenant... J'essaie de me battre contre un autre dresseur, mais j'ai perdu, j'étais très déçu. Allez, salut. Je m'en fous de ta vie. Toi, je te reviens quand tu veux. Et nous allons, maintenant, à la prochaine destination, qui n'est autre que... Poivre et sel. C'est bien ça. Levons l'ancre. Pauvre plongeur. Que personne ne se mette devant. Donc l'épave, ben on ira plus tard. Beaucoup plus tard. Quand j'aurai surf. Et même quand j'aurai fini la ligue. Ou presque avant que j'ai fini la ligue en gros. Oui, nous sommes arrivés à Provocel. Vas-tu aller voir le capitaine Poupe et lui remettre le pack devant? Oui, c'est ce que je vais faire. Ah, ça c'est une belle plage. Eh ben, vous savez quoi? Ce match d'arène m'a épuisé. Alors je vais me reposer sur cette chaise longue. Je vais profiter pleinement des plaisirs de la plage. Et je vous retrouve pour la partie 12 très bientôt. Voilà. Voilà. Allez, bye bye tout le monde. Et bonne suite. Voilà. À bientôt. Ah. Qui peut...
m'amener un cocktail, s'il vous plaît?